C'est pas ça. Bonjour à tous. Normalement, cette vidéo n'a pas pour vocation à être référencée, donc personne ne devrait entendre ce que je vais dire maintenant. Donc, je peux dire des bêtises. Non, je plaisante. Tac, 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 ça c'est bon. Check, check, check. Check, check, check. Et on va couper le retour. Mais je vous dis bonjour quand même, les amis. On ne sait jamais. Ça c'est ok, ça c'est ok. Donc en fait c'est plus un mini stream de test là. Pour une demi-heure j'ai changé un petit peu mon setup pour différentes raisons, en particulier parce que le casque, micro casque que j'ai, alors du coup avec un vrai micro c'est un peu plus chiant parce qu'il faut que je mette la tête sur le micro, mais ce micro casque absolument fabuleux qui a de grandes qualités, ah voilà, il a de très grandes qualités ce micro casque. En particulier, un très bon micro. T-Web ouais, non, mais comme je dis, c'est... Et salut à toi, c'est juste un petit test genre, de 40 minutes. Je finis l'explication au cas où je publie la vidéo un jour. Ouais, mais le problème de ce casque-là, c'est que j'ai un problème avec beaucoup de casques. C'est qu'en fait, tous... J'ai une tête assez importante, vide, mais grosse. Et du coup, j'ai tout le temps des problèmes avec les casques. En l'occurrence, celui-là, son problème... Bon, là, vous ne le voyez pas parce que... Mais... Je suis obligé attendez, hop, de l'ouvrir un petit peu. Et là, la force qui est appliquée là est assez importante. Alors, quand on n'a pas de lunettes, c'est pas grave. Mais quand on a des lunettes, ça appuie sur la branche des lunettes qui se trouve coincée entre l'oreille et le crâne. Et c'est la souffrance abominable. Et l'autre problème, en fait, la grosse qualité de ce casque-là, c'est son micro. Après, niveau audio, c'est pas du casque qui a une qualité audio transcendante. C'est un casque qui isole très bien. Par contre, c'est des casques, en fait, pour les mecs qui font du commande la télé par exemple, pour quand vous refaites une retransmission sur une zone avec un peu de bruit, ça vous coupe bien, le micro coupe bien. Donc du coup bref, j'ai essayé de prendre un de mes autres casques. Donc ça c'est un casque gaming classique Sennheiser, j'arrive jamais à dire le nom, pardon, il y a des mots comme ça qui bloquent, qui est très bien, c'est un Game Zero, Game One, je m'en souviens jamais. Mais par contre le micro est pas top, en tout cas j'arrive pas à le mettre. Bon bref, du coup j'ai pris mon micro de la mort qui tue, mais le problème de ce micro là, il a celui-là, c'est que si on s'éloigne un peu du micro, on ne ment pas. Bonjour, je suis là. Donc je suis obligé de faire là. Bon bref, tout ça pour dire que... Oh, ça sature un peu. Ouais, faudrait que je refasse la regarde. Allez, on y va. Donc on va se faire souffrir un petit peu, hein, pour ceux qui étaient là hier. Bon, j'ai presque décidé d'abandonner, j'avoue. Et puis je me suis dit, on va en profiter pour faire quelques tests. On va l'utiliser toujours. Je refais le... Mais attendez, j'ai pas fini. Hop. Et bon, là, ça fait une heure que je joue, je glandouille, puisque pour l'instant, c'est les phases... Ah, s'il me saoule ce Twitch. Les phases de blabla et de promenade. Donc, ça va, ça, j'y arrive. Et les problèmes, c'est le fight que je trouve un peu tendu. Du ciboulot. Alors j'ai regardé un peu hier quand même, ça m'a intrigué, je me suis dit mais t'es si nul que ça mon ami. J'ai quand même cherché sur internet un peu les commentaires, et c'est vrai que beaucoup de gens disent que le premier quart est très chiant du jeu, car on n'a pas le level et effectivement ça peut être vite très difficile dans certains cas en fonction du personnage, de la classe que l'on a choisi. Alors peut-être que j'aurais dû partir sur une classe combattante. Vraiment combattante, le vrai guerrier, le vrai militaire. Là, j'ai pris un franc-tireur qui est donc pas bon en mêlée, qui est plutôt destiné à jouer comme je suis, c'est-à-dire à me planquer, à faire le lâche et à tirer de loin. Voilà, donc c'était peut-être pas le plus adapté pour commencer. Après le premier quart, il paraît que ça va mieux parce qu'on a fait du level et donc bon, c'est un peu plus simple. T-Web, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, ce sont les branches des casques sur le côté que je casse régulièrement. Là, je cherche avec des branches... Qu'est-ce que t'appelles les branches des casques sur les côtés? Ce qu'il y a au-dessus de la tête? Sur les côtés, moi, j'ai rien. L'arc, le cerceau. Comment tu fais pour péter ça? T'es une brute? Ah oh bah, tu sais, les... Alors, j'ai quelques blocages dans le matos. Alors, il y en a, c'est les CPU, les machins, les bidules. Moi, ce sont les claviers. J'en ai une tripotée. Et tout ce qui est casque et micro. Je fais des blocages là-dessus. Voilà.
Alors attendez, parce qu'on va peut-être quand même avancer dans notre quête, malgré tout. Donc là, c'est de la quête classique, hein. Faut aller parler à machin qui va... Oui, bah t'as une grosse tête. Bah moi aussi, tu vois, par exemple. Attends, je vais remettre 2 secondes la vidéo, puisqu'on est là pour tester. On va en profiter pour causer. Alors j'arrive, dès que je m'éloigne, on m'entend plus. Tu vois, par exemple, j'ai ce casque audio pour écouter de la musique. Un AKG, très bien, très bonne qualité, très bon son. Le problème, c'est qu'avec ma grosse tête, quand c'est tiré au maximum, j'ai ça qui porte quand même très fort sur le sommet du crâne. Et comme j'ai pas beaucoup de cheveux, et ben au bout d'un moment, ça me fait mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me prends toujours un Kleenex ou un truc comme ça pour mettre entre les deux et j'ai l'air d'un con. Mais c'est vrai que les gens, ils pensent pas à ça. Mais quand on a une grosse tête, c'est super chiant de trouver des casques qui vont bien. L'autre, il me sert trop. Enfin, voilà, c'est... Les handicapés de la grosse tête, on est... de la grosse tête physique. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? J'étais en train de faire quoi? Je ne sais même plus. Donc, allez voir Barlavon, on l'a fait. Donc là, on a une exécution à... Éliminer Fist. Quel drôle de nom. On va aller ici. Alors, voilà un des petits problèmes. Ouais, voilà, ouais. Alors, et t'arrives à les péter... ouais, faut quand même y aller, quoi. Hein. Surtout, enfin là, par exemple, il y a des articulations. T'es une brute. Donc, on va aller parler à Vrex, qui est le chasseur de Prime Krogan. Il est interrogé à l'académie du SSC. Donc, le SSC, c'est quoi déjà le truc de sécurité, je crois. C'est là que vous le trouverez et que vous souhaiterez lui parler. Alors, c'est là où on le trouvera. Le problème, c'est que si on prend la map, donc on a la map du niveau où on est, d'accord? Et c'est tout. Et donc, concrètement, alors dans les autres, ils nous disaient, par exemple, c'était au niveau inférieur, c'était nanana. Là, il va falloir qu'on parcourt toute la citadelle jusqu'à trouver l'école du SSC. Donc, on va... Là, on est monté. Attendez, je viens d'en dessous. Ouais. Donc, on va essayer d'aller par là. Donc là, on y va un petit peu au bonheur, la chance. Là, c'est un transporteur rapide, mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez loquace. Quelque chose me dit que c'est en bas. Je vais descendre. J'ai changé aussi les paramètres d'encodage. Ça devrait être mieux qu'hier. Enfin, c'est surtout qu'hier, j'utilisais le... l'encodeur. On peut utiliser... J'utilise OBS pour streamer, comme beaucoup de gens, pour streamer, enregistrer, tout ça. Et donc, on peut choisir d'encoder en utilisant CPU en H264. C'est en général sur les bas débits, c'est ce qui donne la meilleure qualité. Mais ça bouffe du CPU. Ouais, je crois qu'on va essayer de descendre là. Et on a la possibilité d'utiliser, quand on a une carte NVIDIA, voilà, vers l'académie du SSC, d'utiliser l'encodeur en utilisant la carte graphique. Je l'ai déjà dit ça, non? Bref, la carte graphique, le problème, c'est qu'à bas débit, la qualité est moins bonne, beaucoup moins bonne. Donc là, j'ai pas beaucoup changé le débit, je l'ai encore un peu augmenté, mais je suis passé à un encodeur directement sur CPU. Terminal extranet, est-ce qu'on regarde un peu ce qui se passe? Pourquoi pas? Pour en profiter. Hein. Officier Lang, comment vas-tu? Eh, je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, non? J'ai étudié ce que vous avez fait sur Torfan pendant ma formation. Non mais éliminer seul toute une base, c'est dingue. Truc de ouf, hein. On dirait que vous avez un fan. Désolé, mais je n'en reviens pas de vous rencontrer en chair et en os. Je m'appelle Lang, officier Eddie Lang du SSC. Enchanté, officier. C'est un honneur de vous rencontrer, commandant. Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Vous voulez quelque chose? Peut-être. Parlez-moi un peu plus du SSC. Pourquoi vous avez rejoint le SSC? Ah, je sais pas trop. Ça me semblait être la meilleure chose à faire, vous voyez. Ça doit être de famille. Mon grand-père était flic sur Terre. Et le SSC, c'est un peu la police de la citadelle, non? Je suis nouveau, mais jusque-là, ça me va. C'est beaucoup mieux que de rester sur Terre. On rencontre plein d'extraterrestres différents, genre les Anari. Cool. Et puis, mine de rien, représenter la loi, ça impose le respect. C'est un truc que tout le monde apprécie, même les extraterrestres. Bref, t'as un petit kiki, quoi. Allez, ciao. Je dois y aller. Bien sûr. Vous devez être drôlement occupé. Oh, si. Alors, à plus, commandant. Donc, pour ce que... Toi qui étais là hier, puisque on est que tous les deux, en fait. C'est marrant, hein, comme les jeux
s'attire du monde. Enfin, c'est un peu normal en même temps, mais bon, bref. En fait, j'ai pas fait grand-chose de plus. J'ai atterri à la citadelle, donc qui est là où le centre un peu de commandement. Et j'ai parlé. Il y a eu une réunion des grands puissants. Et bref, le gros vilain qui s'appelle, je sais plus quoi, là, machin Xarus. On veut pas me croire que c'est un gros vilain, donc faut que je recueille des preuves pour prouver que il est gros vilain. Donc pour ça, on va avoir différentes personnes. Alors les ascenseurs, c'est l'horreur. Donc il y a un mode qui permet, là je suis dans l'ascenseur, ça monte, hein, qui permet d'écourter le passage. Suite aux récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Mince. Malgré l'insistance des partisans d'une colonisation renforcée pour qui l'attaque sur Eden Prime n'était qu'un acte isolé, le nombre de colons volontaires a fortement baissé. Plusieurs projets coloniaux sont désormais en suspens et les investisseurs exigent des garanties concernant la protection des colonies humaines. Voilà le problème des ascenseurs, le gros problème. Ça dure des plombes. On ne sait pas pourquoi, mais ça dure des plombes. Il y a un mode, qui... c'est pas le chargement, parce que là, comme on voit, il vient juste de le charger, le niveau. C'est curieux. Pour le moins curieux. On est arrivé, ouais, voilà. Donc on a mis 30 secondes pour monter d'un étage. Bienvenue au SSC. Ah, on peut examiner. Ça fait quoi? Ah, ça fait juste d'ajouter des points d'XP. Ah bon, bah je faudrait que je pense à le faire. Parce que d'habitude, je me contente. Tu passeras pas. Non, on va pas commencer à chercher les ennuis. Hein. Vu notre talent au combat. Bonjour messieurs. Dame. Oula, j'avais même pas remarqué qu'ils avaient les jambes un peu inversées, ceux-là. Alors là, ma map. Donc nous, on doit aller là, on est là, ok. Par là, Vrex, c'est là. Donc il doit être par là. Salut Benjamin. Ouais, mais ne t'en fais pas, puisque de toute façon, là, comme je le disais, c'est plus un test. Moi, dans un quart d'heure, faut que j'arrête. C'est plus un test pour tester des nouvelles choses. Faut pas que je tourne la tête quand je parle, si vous ne m'entendez plus. Des nouvelles choses, en particulier l'encodage et le son avec ce micro. Il est où, Vrex? Vrex? C'est toi, Vrex? C'est un nom de chien, ça, Vrex. C'est pas lui, pourtant, je suis dessus. Par là? Ah, il est là. Oh oh, je crois qu'il a eu un problème. Des témoins t'ont entendu proférer des menaces dans le bar de Fist. Ne t'approche pas de lui. J'obéis pas aux flics. C'est mon seul avertissement, Vrex. C'est Fist qu'on aurait besoin. Je vais le tuer. Calme-toi. Tu cherches à te faire coffrer? Ah, essayez un peu pour voir. Allez, on s'en va. On se connaît, humaine. C'est l'occasion. Je m'appelle Shepard. Je recherche Fist. J'ai bien choisi. Je me suis dit qu'on pourrait lui rendre une petite visite ensemble. C'est l'occasion. Shepard. Le commandant Shepard. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Nous sommes tous les deux des guerriers, Shepard. Par respect, je vous avertis. Je vais tuer Fist. Fist vous attend. Nous aurons plus de chance en coopérant. Il y a un dicton dans mon peuple. Cherche l'ennemi de ton ennemi, et tu trouveras un ami. Oh, 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 ce proverbe me plaît. Autre chose que j'ai pas dit, donc qu'on a vu et que j'ai pas... Enfin, j'étais pas en stream, c'est qu'on a un commando, en fait. On choisit... Enfin, par exemple, là, je pense qu'il va pouvoir venir avec nous dans le commando. Je pense pas que ça va être... On va le suivre, on va devoir choisir de le prendre dans notre groupe. Le petit problème, c'est que pour l'instant, comme on est assez bas level, on a le droit qu'à 3 personnages. Donc, j'ai dû en éjecter un mois pour prendre Garus, là, qui est derrière, le vilain. Donc là, j'ai accès, comme moi, à mes faiblesses, c'est le combat en mêlée. J'ai pris des gens qui sont plutôt compétents, pour l'instant, en combat rapproché. Et là, je pense... que si on veut le prendre vraiment avec nous, on va devoir en jeter un autre. Ce proverbe me plaît, donc je disais. Vrex, je crois qu'on va bien s'entendre. Allons-y. Je ne veux pas faire attendre Fist. Voilà, c'est ça. Donc,
Là, il nous en a supprimé un, je ne sais pas pourquoi. Donc jusque-là, on était avec Garrus. Alors Garrus, je l'aime bien. En fait, j'avais pris que... Ah, on peut en changer n'importe où, en fait. Intéressant. On n'est pas obligé d'être à côté des personnes. C'est plutôt cool. Donc Garrus. Si on pouvait en prendre 3, ce serait cool quand même. Donc là, ça c'est le sélectionner. Ah ben, je peux en sélectionner 3. Par contre, je peux plus là. Ok. Bon, eh ben, on va pas prendre Kaidan. Parce qu'en prenant ces 3-là, on a une force militaire relativement importante. C'est la barre rouge. On est un bon compromis. On a une puissance technologique grâce à Garrus qui est correcte, sans plus. Et on a aussi... de la puissance biotique, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais bon. Allez, c'est parti. Donc, où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ben, je sais pas, moi. Est-ce qu'on a un truc sur la map? Il est plus là? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi les carrés comme ça, déjà? Une boutique. Pour l'instant, on va rien acheter. Donc, on va regarder... Éliminer Fist. Où il est Fist? Le petit baron du crime nommé Fist a donné rendez-vous à une carienne qui détiendrait une preuve de la collusion entre sa reine et les guettes. Fist se planque à l'antre de Coras, un bar miteux des secteurs inférieurs. Donc on redescend. J'espère qu'ils vont pas s'amuser à nous faire ce genre d'aller-retour en permanence parce que c'est le truc qui me saoule rapidement. Pourquoi ça me saoule? Eh bien, je vais vous le dire. Non, c'était... On va reprendre l'ascenseur carrément. Parce que j'ai toujours l'impression, quand on nous propose ce genre de choses, qu'en fait, c'est une astuce des devs pour gagner un ascenseur, ça va. Vers la baie d'amarrage, non. Que c'est une astuce pour eux pour gagner du temps. On fait aller d'un bout à l'autre de la map, on va où avec lui, là? Vers le Présidium, j'en sais rien. Ce serait bien d'avoir une carte complète de la zone, quand même. Où est-ce que... par où on est arrivé? On est arrivé par derrière. On est arrivé comme ça, donc on devait venir de par là. Bonjour messieurs, oui, on a pris cet ascenseur là. Donc on redescend. C'est reparti. Ah voilà, on va glander pendant 30 secondes. Bonjour et bienvenue. Une équipe de fouilles galariennes s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéen. Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des porte-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. Super. Garrus, tu veux me dire quelque chose? Non. Vrex? Non plus? Bon, bah écoutez, on va attendre. J'attendrai... Non, c'est curieux, hein, parce que c'est pas lié à un chargement. On va le voir à la fin, le chargement. Enfin, on l'a vu avant. C'est curieux. Vers... Quoi? Ben non, pas vers l'académie. On va remonter par là, non? On pourrait essayer le terminal, voir ce que ça nous donne, là. À quoi ça sert? À rien. Mais on l'a dans le codex, donc on pourra lire dans le codex et ça nous dira... Voilà à quoi ça servait. Faut qu'on descende encore au bar vers l'infirmerie. Bienvenue dans les secteurs. Allons examiner ça. Hop. Plus 10 points dans le codex. Faut qu'on descende, non? Vers les secteurs inférieurs, c'est là qu'il faut aller. C'est bien ce qu'il nous a dit, hein. Vrex. Dans les secteurs inférieurs, c'est ça. Donc c'est par là. Sauf qu'on va pas pouvoir passer. Si on peut. Alors on s'est déjà fait attaquer deux fois à l'intérieur de la citadelle. Par les méchants. Les méchants de... Comment ils s'appellent? Notre ennemi. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un turien d'un autre. Ah mais on y est là. C'était ici. Non. Allez, calmez-vous, sinon je m'en mêle. Wow.
Non mais je rêve pas, c'est vous. Donc ça, on doit pouvoir certainement récupérer comme ça une petite quête secondaire. Bon, pour l'instant on va se focus sur ce qui nous intéresse. Éliminer Fist. Donc on va essayer de le trouver, Fist. Tiens, ça marche plus ça. Il doit être ben, dans les parages. Alors le problème c'est qu'on peut pas savoir exactement qui c'est tant qu'on n'est pas dessus, et quand on sera dessus il y aura certainement une cinématique qui va se déclencher qui va nous dire eh, il doit être par là je pense. Où es-tu Fist? Morlan. Quittez-toi, tu parles pas. Garrus, pousse-toi. Ce serait bien. Morlan. Alors attendez, bureau de Fist, ce serait bien ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des chances. On va pas trop causer pour l'instant, parce que... Comment pas par là, mais t'es bête ou quoi? Enfin... Voilà, c'est un vrai labyrinthe ce truc, et comme on n'a pas... Comme on n'a pas une carte globale de la zone... L'antre de Korra, c'est ça. C'est un club de striptease. Ok. Je peux pas sauvegarder là. Merde. Je vais souffrir les amis, moi je vais me cacher. Alors, voilà, on retrouve le petit défaut. Bon là c'est fermé donc on est peinard. Mais le petit défaut d'hier... On va être obligé de rentrer. Alors, c'est que... C'est pas ça ce que je voulais faire. C'est pas ça non plus. C'est ça. Allez m'attendre là-bas, les gars. Non, vous voulez pas? Si. Le petit défaut... C'est quand on est à couvert, il y a que dans certaines conditions... Je m'en charge. Ouais, bah trop tard. Donc il y en a un qui est caché là. Je m'en charge. Il est... Oh, vous avez vu un petit peu le monde qu'il y a là-dedans? Ou pas? Comment je peux faire là? En position de tir. Au fait. J'avoue. Je suis resté sur facile. J'ai pas envie de me prendre la tronche. La Il en vient de partout! Venez à moi! Il en vient de partout! Go, go, go! Ok, donc ils sont tous derrière les autres, c'est pas sympa de vous planquer comme ça les copains. Faites-moi de la place! Je sature le micro, j'entends, désolé. Je sais pas comment ils font pour tirer là, ils tirent un peu dans le vide. Est-ce qu'on a des endroits où on peut se planquer ou pas? Pas du tout. Là on peut ou pas? Venez à moi. Non, vous allez aller là-bas plutôt. Comme ça, on va les prendre à revers. Vous avez vu la rue, c'est un peu quand même. Là, je peux pas tirer. Alors, c'est très, 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 très intéressant, comme on peut le constater, comme séance de shoot. Voilà. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, Vrex, il est mort, Vrex? Qu'est-ce qu'il me fait, Vrex? Enfin, Garrus, tu vas m'envoyer... On va le faire chauffer. Voilà, boum. Il est mort, quoi. Là, il est mort. J'ai vachement progressé, il nous en reste plus que deux. Par rapport à hier, hein, je suis devenu super bon. Hold the line. Ok, d'accord. On va holder la line, pas de problème.
Régénère une partie de vos boucliers, ça m'intéresse pas plus que ça. J'essaierai bien une autre. C'est quoi ça? Neutralise temporairement biotique des ennemis dans la zone d'effet. Pourquoi pas? Tiens, augmente les dégâts de précision pistolet, réduit l'échauffement. On va voir. Ah oui, d'accord. Il en vient de partout. Je l'ai eu, non? Ouais. Donc, on va essayer de lui. Oh merde, pardon, j'avais pas vu lui. Où il est? Il est par là. Allez, on va essayer une autre arme. Pour les faire bosser un peu, là, je vais me faire engueuler normalement. Ils vont me dire, oh non, vous pouvez pas, c'est pas possible, vous comprenez mon ami. Le tir, alors c'est moi qui vise mal, hein, mais le tir correspond bien à l'endroit où je suis visé. Mais c'est moi qui vise mal. You are dead, my friend. Petit joueur, ouais, si tu veux, mais... T'as vu l'intérêt des combats, pour l'instant. Tu vois, tu te planques, t'attends, tu tires. Alors évidemment, là, j'aurais peut-être pu le faire en difficile, ça aurait pas changé grand-chose. Mais j'attends de level up un peu, et après, je repasserai peut-être en normal. D'ailleurs, je suis peut-être en normal, je suis en train de penser, j'avais pas rechangé hier. Mais oui, je suis en normal. C'est juste que je deviens bon. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'il y a des grosses disparités dans les combats. Là, c'était, avouons-le, même complètement inintéressant et complètement nul comme combat. Parce qu'il y avait aucun challenge. Au fait, je l'ai dézingué. J'ai fini ma quête. Eh non, on a toujours pas trouvé Fist. Fist, où es-tu? Tu te caches, mon truc. Le jeu a planté ou quoi? On te trouvera, Fist. Je pense qu'il doit être caché. Ah, je peux pas faire ça, là. Me coller. On peut le faire qu'en situation de combat, se coller. On va faire le tour. Non, on en vient de là, ok. Donc, il dépop tous les ennemis sans rien lâcher. Les vilains. C'est pas gentil. Poussez-vous, les copains. Dites, les copains. Ça vous dirait d'aller voir là-bas si j'y suis? Ok, cool. Pourquoi tu te caches comme ça, toi? Tu crois qu'on va avoir de l'embrouille? Possible. Possible, possible. A priori, hein, tu n'es pas le seul à pas être un grand fan de ce jeu. Quand je vois sur Twitch, depuis le début, enfin depuis le début, même hier, je crois, enfin là, depuis le début du stream, personne n'est passé, donc tu vois. Peut-être que c'est parce que j'ai un flingue à la main que je peux rien faire. Système par feu, je sais pas à quoi ça sert. Ça. Tu veux me dire quelque chose? Ça avait l'air de bien marcher pour Fist. Il aurait dû s'en contenter. Il aurait dû, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il est comme nous autres, il en veut toujours plus. On va reculer pour aller se planquer parce que je sais pas pourquoi. Stop! On bouge plus! Et je vous dis stop. Tu nous tires dessus là, t'es au courant? Non mais alors, mais c'est curieux quand même, tu vois, je pensais, je reviens à ce que tu disais, ce jeu en position de tir. Croche pas trop. C'est quand même un jeu culte d'une certaine façon, la série des Ousex. Alors il paraît qu'à partir le 2 est beaucoup mieux, le 2. Là, je me souviens et on va bientôt y arriver. Je m'étais arrêté par là. Après, on va devoir partir avec le vaisseau vers différentes planètes. Et c'est là où il ne faudra pas se planter, parce que bah, je regarderai d'ailleurs sur... hier, j'ai trouvé sur un forum un mec qui disait... Alors, les différentes planètes qu'on va explorer, je crois qu'il faut qu'on cherche quelqu'un qui est quelque part. Donc, comme ça, on est bien. Et en fonction de l'ordre des choses, ça va être plus ou moins compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un ordre... Ça sert à quelque chose, ça? Non, pas du tout. C'est pas évident là, comment on fait? Bon, alors attendez, on va ruser. Je vais dire à mes petits potes d'aller là-bas. Ils vont se faire désinguer la calebasse. Ils en viennent partout! Voilà, très bien. Garus est mort. Bon. Bah voilà. C'est fini. Adieu. Adieu Garus, on t'aimait bien. On n'a pas un espèce de truc. Des bombes? Ah si, j'ai des grenades. C'est R, non? Je m'en charge! J'ai pas que ça à faire.
Il n'y en a plus qu'un. Ah non, il n'y en a plus. Bah c'est bien. Garrus ? Bah Garrus, Garrus ? Où es-tu, Garrus ? Ah mais il est revenu ! Alors ça c'est curieux, c'est que même en mode normal, ils repop nos cadavres à la fin du combat. Bon, ça me dérange, enfin pas nos... ça souffre. Pas nous forcément, mais... mais notre commando quoi, s'il y a des morts, eh bien une fois que le combat est fini, ils ressuscitent. Alors, ah tiens, on a... Alors l'omnigel, ça sert pas seulement à se donner de la force, c'est pas juste du medikit. A priori, ça nous permet de faire d'autres choses, et en particulier de faire le j'allais dire, c'est un peu comme les serrures dans Skyrim et compagnie, là, vous voyez, le truc. Mais, sauf que c'est un autre principe, mais c'est pareil. Donc dans Skyrim, je ne me souviens pas s'il y a de l'auto. Dans Oblivion, je sais qu'il y en a. Je ne suis peut-être pas assez haut en niveau dans Skyrim. Tiens, d'ailleurs, si ça vous dit du Skyrim, vous me le dites. Hein, j'y joue hors stream en général, mais si ça vous intéresse... Donc, tenter un override manuel. Allez, on va se faire la main. Donc, le principe, on a ce petit zizi là. Et hop, voilà. Pour l'instant, c'est pas super compliqué. Donc, on récupère... Ouais, chouette, on va tout prendre. Le fusil de précision, là, déjà, je crois. Par contre, le Skimitar, je ne suis pas sûr. Bon, on va voir ça tout de suite. Comment c'est déjà ? Inventaire. Tout prendre. Donc, le fusil à pompe que je ne me sers pas, d'ailleurs, le smicar, on va prendre un smicar. Il fait beaucoup plus de dégâts. Il fait beaucoup plus de dégâts. Garrus, est-ce que t'as quelque chose? Tu tires avec quoi toi essentiellement? Ouh, celui-là ça cartonne. Il surchauffe à peine l'Avenger 2. C'est le fusil de précision, fusil d'assaut. Et moi, qu'est-ce que j'ai en fusil d'assaut? Un Avenger 2. Bah, je vais donner à l'ami Garrus un Avenger 2 aussi. Bah, c'est ce qu'il a. Bah non, je piche pas. Ah oui, d'accord, ce qui est en surbrillant, c'est celui qu'on peut utiliser. Alors, équipe-moi ça. Très bien. Vous utilisez essentiellement du fusil d'assaut pour l'instant. Toi, on n'a que du lanceur pour toi. Donc, bah voilà, désolé copain. On va faire comme ça. Quelle heure il est, les amis? 5h43. Eh bien, on va s'arrêter là. On se retrouve demain. Demain, on va pas continuer... Deus Ex. Demain, on va retourner sur la PS4. Et il y en a au moins un qui sait pourquoi. Voilà, on va ramener un peu de game. Donc, on va faire le DLC de The Last of Us. Donc, avec mon skill brillant, je compte 3 heures en gros. L'Amity Web, tu confirmes en gros. J'en ai pour. Il me faudra 3 heures pour le faire. Donc, on ne pourra pas le faire en une fois, sauf si je commence 4, 5, 6, 7. Non, c'est trop chaud. On le fera en deux fois. Donc, on fera deux fois une heure et demie. Donc, on se donne rendez-vous demain vers 17h. Mass Effect, non. Mass Effect, je vais le continuer un peu tout seul. Et puis, comme ça, quand... Enfin, tout seul, non. Enfin, je verrai. Mais a priori, ça intéresse personne sur le stream. Donc, je ne vais pas streamer ça. Moi, je vais le continuer. Je veux quand même essayer d'aller au moins jusque là où je suis allé la dernière fois. Pour voir si c'est moi qui ai un souci. Et puis voilà, là le problème en fait... Ah, ça m'énerve cette saturation là. Attendez, enfin ça va rien vous faire. Ouais, 3-4 heures pour moi, merci. Donc on va faire deux streams, deux fois 2 heures quoi en gros, on va partir là-dessus. Donc demain de 5 à 7 et vendredi de 5 à 7. Enfin vendredi ça peut être particulier parce que des fois le vendredi je me libère un peu plus de temps. Non, j'ai réglé la saturation du micro hors ligne. Donc je vous dis à demain. Donc oui, on fait... après, oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire après. C'est fin septembre, je crois que c'est le 24 janvier que sort Resident Evil. J'ai refait la démo hier sur PC, je l'avais faite sur PS4, je l'ai refait sur PC. On va la faire sur PC évidemment pour avoir une meilleure qualité. Et ce sera du stream live, je pense, du let's play live, c'est-à-dire que bah, comme j'ai fait pour The Last of Us, il va pas y avoir d'enregistrement et après parce que ça me prend trop de temps en fait pour les remonter, même sommairement faut les réencoder, alors c'est vrai que la qualité est un peu moins bonne, mais a priori j'ai eu une info comme quoi on pouvait pratiquement monter autant qu'on veut
sur Twitch maintenant. On n'est plus limité aux 3,5 mégas. Et c'est pour ça que là, je suis à 4,5 mégas. Le seul problème, bien entendu, c'est que moi, je ne suis pas partenaire Twitch. Et donc, Twitch va me rediffuser au débit que je donne. C'est-à-dire, si je stream à 3,5 mégas, Twitch va balancer à 3,5 mégas. Si je stream à 5 mégas, Twitch va rebalancer. Il n'y a pas de rencodage. Il va rebalancer à 5 mégas. C'est-à-dire que quelqu'un sur Twitch, il veut me voir. Si je stream à 5 mégas, il va falloir que lui, il ait une connexion descendante de 5 mégas. C'est assez courant maintenant, mais bon, il y en a qui ne peuvent pas. Et dans tous les cas, ceux qui ne pourront pas, bah, ils basculeront. Il est simple. Ah, oh, bah, ça va aller alors. Ceux qui ne pourront pas, bah, on les redirigera sur YouTube qui lui réencode à la volée. Ça amène une petite latence supplémentaire, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il faudra trouver quelque chose pour caler le temps entre... donc là, j'aurai fini... on sera le combien ? On sera le 7, 10. Il faudra trouver un truc qui nous tiendra 2 petites semaines ensuite. Alors, je ne sais pas quoi, ça ne fait pas beaucoup de semaines. 2 semaines, ça fait 15 heures de jeu, quoi, à peu près. Donc, c'est chaud pour commencer un nouveau jeu. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, peut-être, si ça intéresse, on pourra continuer Skyrim. Moi, j'y joue à Skyrim en hors stream. Quand j'ai envie de me détendre, c'est mon jeu sur lequel je retourne. Quand j'ai une heure à tuer, je me fais une quête et hop, c'est très bien. Donc, peut-être qu'on fera ça, sinon on verra. J'ai toujours dans les cartons Red Dead Redemption, mais j'attends finir Mafia 1. Bah écoute, tiens, ok, on va se faire un stream la semaine d'après, donc après le DLC, on se fera un stream, on essaiera de le finir. Alors par contre, je le dis clairement, je reviens pas en arrière pour... Là en fait, je suis à un niveau, je suis à la fin, et je suis... Oh, je me souviens plus très bien, mais je sais pas si c'est dans une banque ou un truc comme ça, là où on doit buter tout le monde, sauf que je n'ai plus de vie du tout. Et en fait, pour récupérer de la vie, il faudrait que je refasse le niveau d'avant. Et j'ai pas envie. Et je sais même pas, puisque le niveau d'avant, j'avais pas réussi à... Enfin, j'avais pas fait gaffe, en fait. Je me suis retrouvé à un nouveau niveau avec le peu de vie que j'avais avant. Mais on le fera, ouais. On le fera, c'est l'occasion. Donc j'avais un cheat mode que j'avais récupéré. Et c'est ce que je disais hier, le cheat mode, même avec moi, il marche pas, quoi. En fait, il marche... Alors, l'astuce, c'est une fois qu'il est activé, donc il y a une combinaison de touches à faire pour l'activer. Et ensuite, il faut qu'on se fasse toucher au moins une fois. Et là, il s'active. Le problème, c'est que moi, j'ai vraiment très peu de vie. Et donc, des fois, me faire buter une fois, ça suffisait pour mourir. Donc, on va réessayer, on va se faire une séance un soir comme ça. Voilà. Bon, sur ce, il faut que j'y aille, il est l'heure. Donc, je vous dis à demain, normalement, 16h30, 17h. Enfin... Je sais plus qui reste, hein. Il y a au moins T-Web et après je ne vois pas Benjamin, je sais pas si t'es toujours là, je crois que t'es parti. Mais salut tout le monde sur Twitch, il n'y a personne, comme ça, ça c'est fait. Allez, salut, à demain. Les vilains de Twitch. Faut que je stream du... Comment que ça s'appelle ? Du Overwatch. Ben ouais, les autres, non, j'aime pas. Mais Overwatch, je suis nul. Allez, ciao. Mais j'y joue quand même parce que ça m'entraîne un peu. Allez, que cette fois, je vais. Ciao.